Sachez que Dieu est éternel, exempt de début, tandis que les créatures ont tout un début, c'est Dieu qui les a créées. Dieu est aussi éternel, exempt de fin, tout comme tous ses autres attributs. Ils n'ont ni début ni fin. Tandis que l'anéantissement est possible selon la raison pour toutes les créatures. Les attributs de Dieu ne changent pas, ne se modifient pas et n'évoluent pas, car cela fait partie des attributs des créatures qui évoluent d'un état à un autre, car ils sont créés. Dieu est le créateur de l'univers et de ce qui s'y trouve. Il est le créateur de la nuisance et de l'utilité. Il est le créateur des actes des esclaves et leurs pourvoyeurs, tandis que les créatures ne créent ni nuisance ni profit. Allah est unique, il n'a pas d'associé. Il est unique de par lui-même, de par ses attributs et de par ses actes. Dieu n'est pas un corps, il n'a pas de dimension, il n'a pas d'endroit, tandis que les créatures ont des dimensions et des endroits différents. Allah n'a besoin d'aucune créature, tandis que les créatures ont besoin de lui. Dieu, lui seul, mérite d'être adoré. Il n'est de Dieu que lui, tandis que les créatures ne méritent pas d'être adorées, car elles sont impuissantes et ont besoin de qui les a créées. Que Dieu nous augmente en connaissance et nous préserve de lui attribuer quelconque ressemblance avec ses créatures. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.